Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller voir quel message notre hôte a pour nous aujourd'hui. Alors je recommence la vidéo parce que les guides ils sont hyper saoulants ce matin, je sais pas ce qu'ils ont mais ils sont dissipés quoi. Allez, on y va, on pense très très fortement à notre hôte, d'accord? Jusqu'à l'avoir en face des yeux. Ça permet une connexion entre lui et vous. Donc je demande à être en connexion avec mon autre, s'il vous plaît, les guides et toutes les âmes sœurs des personnes concernées par cette guidance afin de délivrer un maximum de messages. Ok, on y va. C'est ok ou pas? Ouais, ok. Voilà. Quel message notre autre a pour nous aujourd'hui? Quel message notre autre a pour nous aujourd'hui? Quel message notre autre a pour nous aujourd'hui? Ok. Larmes, ça commence bien. Quel message notre autre a pour nous aujourd'hui? Quel message notre autre a pour nous aujourd'hui? Ok. L'homme, le message, la protection. Les émotions. Ok, alors là, c'est en train de me dire. Là, c'est en train de me dire. Je suis en train de couper des liens qui me sont toxiques pour moi, actuellement. Je traverse aussi beaucoup de disputes dans mon entourage. J'ai malgré tout envie de t'envoyer un message et de revenir à la communication avec toi. Mais je veux que ce message soit protégé. Et je sais que ce message est protégé par les guides d'ailleurs. Je ressens beaucoup d'émotions que j'ai du mal à exprimer. Effectivement, j'ai le chakra de la gorge qui bloque. C'est comme si notre autre, il avait envie de pleurer, mais qu'il se retenait, quoi. C'est balèze. Quel message notre autre a pour nous aujourd'hui? Ok. Tous ces liens que je coupe, c'est pour apporter un aboutissement avec toi. Tous ces liens que je coupe, c'est pour apporter un aboutissement avec toi, dans notre relation, dans notre lien. Parce que je sais que pour toi, notre éloignement est comme une épreuve à surmonter. Ok, les guides. On continue ou pas? Quel message notre autre a pour nous aujourd'hui? Ouais, les guides, ok. Pourtant, je suis tenté par un engagement avec toi. Quel message notre autre a-t-il envie de nous transmettre les guides? Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre les guides? Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre les guides? Je sais que c'est nécessaire de revenir à la communication et j'ai envie de te parler aussi. Je souhaite ancrer les choses entre nous. Ancrer les choses entre nous. Et avoir un lien plus stable. Ok les guides, est-ce qu'il y a encore un message ou pas? Voilà. Je sais que notre amour est protégé par les guides et par l'univers. Je me prépare à te le donner, car je sais que sans moi, tu es malheureux.
Il me répond, je le sais. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'il y a encore un message des guides ou pas de notre hôte? Est-ce qu'il y a encore un message de notre autre, les guides ou pas? Même si pour l'instant je masque encore mes émotions. En fait, je souffre autant que toi, mais je ne te le montre pas. Il y a encore un message ou pas? Ouais. Je sais aussi que porter ce masque face à toi est une erreur. Pardonne-moi. J'ai vraiment envie d'un lien de paix avec toi et de faire tomber ce masque. On prend le coup de cœur? Ok. Quel message avez-vous les guides à transmettre de la part de notre autre? Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre? Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre? Non, pas tout ça, les guides. C'est bon. On y va sérieusement là. Allez, quel message notre autre a-t-il à nous transmettre, les guides, s'il vous plaît? Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre, s'il vous plaît? Voilà. Pardonne-moi si pour l'instant je reste avec toi sur un terrain amical. Tu recevras d'ailleurs bientôt un message amical de ma part. Ok, les guides, on y va? Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre? Non, mais les guides, c'est trop là. Une carte, s'il vous plaît. Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre, les guides, s'il vous plaît? Malgré que je reste sur un terrain amical avec toi, j'ai quand même envie d'une relation abondante à tes côtés. J'ai aussi peur que notre amour te fasse perdre notre amitié et peur de tout gâcher. Ben non, tu gâches rien du tout en fait. Tu gâches rien du tout, c'est juste que l'amitié passe à l'amour, tout doucement, ok? Là, je passe le message à toutes les personnes. C'est juste que l'amitié passe à l'amour tout doucement. Et on peut très bien garder un rapport amical et à la fois être amoureux l'un de l'autre, ok? On y va? On continue les guides. Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre à travers ce jeu pour aujourd'hui? Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre? Quoi? Il faut que je prenne les cartes comme ça. Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre? Ok. Je progresse tout doucement pour passer de l'amitié à l'amour avec toi. Et oui, je te le confirme, j'ai bien des sentiments pour toi. Il faut juste le temps que je fasse la transition entre l'amitié et l'amour et que je trouve le juste équilibre. Ok les guides, quel message notre autre a-t-il encore à nous délivrer? Non, c'est pas flou. Allez les guides, sérieusement. Vous êtes chiants aujourd'hui. Alors, quel message notre autre a-t-il à nous délivrer? Ça, ok.
J'ai envie d'un lien placé sous le signe de la paix avec toi et d'une relation pimentée. J'ai envie d'un lien placé sous le signe de la paix avec toi, d'un amour passionnel et d'un lien pimenté et d'une chance avec toi. Ok. On continue. Allez. Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre pour aujourd'hui? Ok. Tu me donnes vraiment des papillons dans le ventre quand je te vois. Quoi? Quand je te vois, c'est comme si je voyais mon miroir. Tu me donnes des papillons dans les yeux et c'est pour ça que j'ai envie de passer à l'action avec toi et d'une relation pimentée à tous les niveaux. Moi, ton âme sœur. Ok, les guides, c'est cool. On prend les cartes. Ok. Car je sais que tu as la clé de mon cœur. Je te projette d'ailleurs très bientôt un écrit amoureux, même si ça prend du temps pour que je te l'écrive. Je vais enfin poser des mots sur des mots. Alors que jusqu'à maintenant, je me le suis interdit. Quel message notre autre a-t-il à nous transmettre, les guides? Ça ou pas? Ouais. Je sais que tu as la clé à toutes mes blessures. Je sais que ton cœur va guérir toutes mes blessures et que c'est toi qui as la clé de la guérison. C'est bien pour ça que je souhaite cette union avec toi. Pour pouvoir se guérir chacun ensemble. Et fusionner avec ton âme. Ok. On a encore un message, les guides ou pas, de notre autre. Tout ça. Ok. Ouais. L'image, la santé, la crise. Alors, mon cœur ne bat en réalité que pour toi. Et ça me perturbe, même si j'essaye de prendre de la hauteur sur notre lien. Tu me perturbes, car mon cœur ne bat au final que pour toi. Et j'ai du mal à l'admettre. C'est compliqué pour moi. Du coup, je suis en crise énergétique de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quel choix faire, de ne même pas savoir où aller. Je sais qu'il est grand temps que je saisisse ma chance et que je fasse tomber les masques. Masques que j'ai trop longtemps gardés en moi. Tu m'as plu dès le départ. J'ai plongé dans ton regard. J'ai plongé dans ton regard. Car les yeux sont le miroir de l'âme. Wow, ok, il y a encore un message. Ouais. Ouais. Je ressens que c'est le moment d'enlever ce masque, de faire le déplacement vers toi pour mettre fin à tes doutes et te prouver que je veux vieillir avec toi. Je m'y prépare. Je suis sur le chemin de mon retour. Car j'ai de l'amour pour toi. Oui, je te le confirme. Et j'ai envie d'un visuel ensemble. Et de te révéler certains secrets. Pour pouvoir construire une relation saine avec toi.
Eh bien, dis donc, c'est un très beau message. J'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir.